avec. Tell me, say that person with that stage. That old woman was not killed. Pendant 4 jours, la Nollywood Week mettra à l'honneur l'industrie cinématographique nigériane et africaine, sans oublier les diasporas africaines. Pour sa 10e édition qui se tiendra du 11 au 14 mai 2023, 30 courts et longs métrages et films d'animation sont à découvrir au cinéma L'Arlequin à Paris. La soirée d'ouverture du 11 mai présentera en avant-première Love Language, un court métrage sur la dynamique d'un couple interethnique en présence de son réalisateur, Kayode Kassoum, l'un des cinéastes nigérians les plus prolifiques avec actuellement 6 titres sur la plateforme de streaming populaire Netflix. À cette occasion, les festivaliers auront l'accès aux différentes masterclass, tables rondes, échanges avec les réalisateurs et acteurs. Ils pourront également assister à des sessions de pitching et à des soirées Afrobeat tout en votant pour leur film préféré afin de déterminer le lauréat du prix du public de cette année pour le meilleur long métrage de la sélection officielle. Pour ce 10e anniversaire, les tout-petits ne sont pas en reste. Il y aura une projection pour enfants nommée Nolly Kids le dimanche matin et un prix du jury, aussi bien pour les longs que pour les courts-métrages. Ce festival de cinéma permettra de dévoiler la personnalité qui prendra le relais de l'ancienne Miss France, Flora Coquerel, de l'artiste internationale Angélique Kidjo et de l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis en tant que parrain de l'événement. Ce festival permettra ainsi de dévoiler d'autres figures montantes et engagées du cinéma, à l'instar de Jean-Pascal Zadi, parrain de la 10e édition de la Nollywood Week. Organisée par l'association Okada Media, la Nollywood Week est une initiative de Serge Noukoué et Nadira Chakour qui font la promotion du cinéma africain à l'échelle mondiale depuis une décennie. Le festival de cinéma Nollywood Week compte encore mobiliser plus de personnes pour redorer le blason de la culture cinématographique africaine.